Salut à tous mes petits Ténix, c'est Bastoun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en duplex à l'AS Passage Tennis qui se situe à Agen et qui abrite la 31e édition du Passage Espoir, un tournoi international réservé aux moins de 12 ans du monde entier. C'est dans ce théâtre que j'ai choisi de vous proposer ma nouvelle série de vidéos, les débats de fond de cours. Donc sans plus tarder, générique, suivez-moi. En quoi consistent les débats de fond de cours? Alors c'est très simple, je vous amène avec moi avec mon micro au cœur d'un événement tennis de renom ou d'un club situé n'importe où aux quatre coins de l'Hexagone et je pars à la rencontre des pensionnaires du lieu en question. Puis je vous donne la parole en vous posant une question simple, de préférence clivante, directement en lien avec l'actualité brûlante de la planète tennis et du circuit professionnel. Vous l'avez compris, l'objectif est d'ouvrir le débat et de déchaîner les passions face caméra, mais aussi dans les commentaires YouTube autour de ce magnifique sport qu'est le tennis. Chaque année au mois de mai, il nous accompagne devant nos télévisions avec ses douces soirées printanières, son odeur de terre battue et son lift qui gicle sur ses 22 cours à grands coups de wa-hé. Dans moins d'une semaine, le tournoi de Roland-Garros, le deuxième grand chelem du calendrier, reprend ses droits pour le plus grand bonheur des fans. Alors qu'elle n'a pourtant pas encore commencé, cette édition 2023 a déjà été marquée par un premier énorme tremblement de terre. Le maître des lieux, Rafael Nadal, a mis fin au suspense en annonçant depuis son QG dans son académie à Majorque qu'il ne disputerait pas son tournoi fétiche, trahi par un corps endolori et vieillissant. Pour la première fois depuis 2004, l'Espagnol ne sera pas présent à Paris, bien que son aura et son mental en acier planeront au-dessus de la porte d'Auteuil. Alors qui pour succéder à l'ogre de l'ocre? Carlos Alcaraz, qui fait office de favori naturel avec son excellente tournée sur terre battue, ponctué de deux titres à Barcelone et Madrid, mais également entaché par une contre-performance illisible contre le modeste hongrois Marozan Arom. La légende Novak Djokovic et son expérience en grand chelem, lui qui s'est déjà allongé deux fois sur le châtrier par le passé, mais qui a signé une préparation printanière en demi-teinte, à moins que son bourreau romain, Holger Rune, et son appétit féroce ne viennent s'inviter à la fête. Ou bien Stefanos Tsitsipas, finaliste et un petit set du Graal en 2021. Même chose pour Casper Ruud en 2022, éternel épouvantail sur la brique pilée, à moins que Daniil Medvedev et ses récents progrès fulgurants sur la surface ne viennent jouer les troubles faites. Ou encore Alexander Zverev, maudit en 2022, lui qui déployait un tennis stratosphérique il y a un an jour pour jour. Bref, vous l'avez compris, ce cru 2023 s'annonce potentiellement comme le tournoi le plus ouvert et le plus excitant depuis 20 ans sur la terre battue parisienne. Face à cette effervescence grandissante, une seule question brûle les lèvres de millions de fans de tennis en ce moment. Qui va gagner? Roland Garros. Je pense quand même que ce sera Carlos Alcaraz parce que je pense que parmi tous c'est quand même celui qui est le plus en forme. Les amortis vont être incroyables, je pense. Voilà, sa puissance aussi. C'est vrai. Ouais. Après, plutôt mon favori pour Alcaraz. Voilà. Alcaraz. Okay. Ouais. Alcaraz, que je pense que bon voilà, même si sur le dernier tournoi à Rome, voilà, il a été sorti prématurément, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Il va pouvoir se régénérer, reprendre de l'énergie. Retravailler ce qui a besoin de peaufiner, de corriger, pour être voilà, prêt pour le gros événement qu'est Roland Garros, qu'il a à cœur de le gagner. Pourquoi Alcaraz? Parce qu'il est en ce moment très bon, malgré sa défaite contre Morozan. Là, je pense que c'est peut-être un peu fait exprès pour pouvoir récupérer. Maintenant, il y a quelques outsiders, comme Sinner, je pense, Zverev. Dans les obstacles et les outsiders que tu évoquais, tu n'as pas parlé de Novak Djokovic. Que penses-tu? Tu ne penses pas qu'il peut être un obstacle de taille face à Alcaraz? S'ils ne se croisent pas, ils joueront en finale. Et je pense qu'Alcaraz aura le dessus durant cette édition. Et que c'est la fin d'une ère pour Djokovic sur terre battue. Il a le jeu effectivement pour l'embêter. Mais Alcaraz, par rapport à la next-gen ou encore la baby-gen, exactement, c'est son mental. Parce qu'il a un mental quand même en acier. Hein, ouais. Et je pense que là, au niveau mental, il pourra rivaliser avec Djokovic. Après, à ce niveau-là, c'est pas trop le jeu. Bon, il y a la tactique, il y a ces choses-là qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais je pense que ça va jouer au mental. Et si le match dure, ça sera au physique. Non. Carlitos, tu sais, n'a jamais encore gagné un grand chelem en format 3-7 contre Nadal ou Djoko. Donc ce serait quand même incroyable. Il a gagné l'US Open, mais c'était contre Casper Ruud, il me semble, en finale. Tout à fait.
Et sur terre battue, c'est cette année pour moi. Ok. Voilà. Incroyable. On verra si monsieur a raison. Merci. Je me repère par rapport au tournoi de Madrid de l'année dernière où il avait battu Nadal et Djokovic. Exact. Mais c'était en 2-7 gagnants. Il les avait... L'exploit était quand même incroyable. Voilà. Alors, c'est pour ça que je me dis... Je me dis, bon, entre-temps, il a pris de l'expérience. Hein, il a quand même gagné un grand chelem. Parfait. Donc, il a la gestion de cet événement-là. Ouais. Donc, voilà. C'est pour ces critères-là que je mettrai une pièce pour Alcaraz. Et puis bon, à un moment donné, il faut que les jeunes prennent le pouvoir. Prennent la relève. Voilà. Moi, je pense que c'est Algeron. Je dirais. Et je pense que c'est Novak Djokovic qui va gagner. Pourquoi ? Bah, parce qu'il est en forme. Moi, ça va être Alcaraz, car il a beaucoup de physique, beaucoup de mental. Et je trouve que c'est bien parce qu'il s'est inspiré du jeu de Nadal, de Djokovic et de Federer. Il est un peu pioché dans les trois. Oui, et je trouve qu'il mérite parce que il joue super bien sur terre, il fait des belles amorties. Alcaraz, il a beaucoup de chance parce que il est jeune, il aime la terre battue, il fait de bons résultats en ce moment et il mériterait de le gagner. C'est Alcaraz qui va gagner. Et pourquoi ? Parce qu'il est en pleine puissance et qu'il gagne Madrid, il enchaîne les bons tournois cette saison et je pense qu'il y a des chances que ce soit lui. Et tu penses qu'il va battre qui en finale ? Selon toi, ça va être quoi ton parcours de rêve un peu là ? Tsitsipas. Ah ouais ? Ouais. Intéressant. Je pense que ça va être un jeune, enfin. Par une, peut-être, le Danois, qui joue bien aussi. Qui a battu Djoko aujourd'hui. Exactement. Un nouveau vainqueur, ça fait... Ouais, un vent de fraîcheur au tennis, voilà, quoi. Exactement. Je pense que Djokovic va faire un joli tournoi, mais je sais pas s'il va le gagner. Mais Il faut que tu te mouilles. Pour toi, qui va gagner ? Pour moi, qui va gagner ? Ouais. Je pense... j'hésiterai entre Aliassim. Ouais. Ah ouais. Parce que c'est dangereux comme choix, mais... C'est dangereux, mais c'est osé. Parce que là, Alcaraz, il a fait une petite défaite là contre l'autre, là. Un Hongrois qui s'appelait Marosan, ouais. Classé 130e mondial. 135, c'est ça ? C'est toi qui me corrige, c'est parfait. Une petite défaite qui fait mal. Donc il va vouloir, bien évidemment, remonter la pente. Après, c'est pas des joueurs de grand chelem, en fait. C'est ça, le problème. Qui, ça ? Bah, Alcaraz... Tu penses que c'est pas un joueur de grand chelem ? Il en a gagné un à l'US il Open. Il en a gagné un, mais parce qu'il n'y avait pas le Big Three. C'est vrai. Tu vois ? Il a encore jamais battu Nadal ou Djoko en format 3-7 grand chelem. Ouais. Dans un grand chelem. Dans un grand chelem. Donc pour toi, c'est encore trop tôt pour Carlitos. Bah, tant qu'il reste Djokovic, pour moi, c'est un peu mort. Mais du coup, pourquoi avoir dit Félix Auger-Aliassim ? C'est un peu pareil. Parce que si Djokovic perd de l'autre côté du tableau, il y a une chance entre ces joueurs-là, tu vois. Quand c'est très juste. Comme lui. Voilà. C'est beau. Alors les gars, je suis avec un Canadien, donc grand scoop, c'est mon premier étranger. What's your name? Matthew Popa. Okay, for you, who will win the French Open this year? Probably Carlos Alcaraz. Why? Because now he's playing very good and winning most of the tournaments, so I think Alcaraz will win. Je pense que c'est Medvedev, parce qu'en ce moment il est fort, il est très fort. C'est vrai, il a progressé sur terre dernièrement. Ouais. Donc toi, Medvedev ? Ouais, je dirais Medvedev. Tu penses qu'il va battre qui en finale ? Tu imagines quoi comme match ? Djokovic, Medvedev. Et encore, combien de sets ? 3-7. Pour Medvedev ? Oui. Ah ouais ? C'est ton joueur préféré ou ? C'est mon deuxième joueur préféré. C'est qui ton joueur préféré ? C'est Nadal. Ah... Petit Enix, on va assister à une séquence légendaire avec le petit Tilio, regardez, qui est un futur abonné. Il va faire la démarche en live. Il s'est abonné, c'est incroyable. Tu penses que tu vas apprécier mes contenus ou pas ? Ah bah largement, ça va être les meilleurs, je pense. C'est vrai ? Je suis même sûr. Eh bien, on n'a que la communauté qu'on mérite.